public, du collectif citoyen, ou entre autre chose, on nous a parlé de gérer la commune autrement, en sortant de ce système pyramidal descendant où les citoyens n'ont pas ou peu leur mot à dire. J'ai voulu en savoir un peu plus. Je me suis donc rendue à une première réunion chez Anne et Didier, où j'ai eu la surprise de voir près de 40 personnes qui avaient envahi leur séjour. Là, j'ai compris qu'il se passait réellement quelque chose. Ce soir-là, personne ne parle de liste ni de tête de liste. On nous propose simplement de réfléchir ensemble à des projets concrets pour notre village. Je me suis donc inscrite tout naturellement à un des ateliers participatifs proposés. Ces ateliers ont vu au fil des semaines arriver de nouvelles personnes et ont donné lieu à des échanges passionnants et passionnés, au cours desquels tous ont pu s'exprimer et débattre. Tout le monde a fourni un véritable travail de réflexion, de recherche, de documentation, de restitution, travail qui a permis de dégager les grands axes d'un programme réaliste et cohérent dont on va vous parler ce soir. En ce qui me concerne, outre la mise en évidence de ce que peut accomplir l'intelligence collective, ce qui m'a le plus frappé, c'est d'entendre des mots trop rarement employés de nos jours. Pouvoir partager, intérêt général, charte éthique. Difficile de cumuler les mandats, dont un au niveau régional, et d'être ce qu'attendent et qu'avaient toujours connu les habitants de Sénac auparavant, un maire de proximité. C'est pour ça que je choisis de faire confiance à cette jeune équipe dynamique, volontaire, soudée, complémentaire et sincère, qui n'a peut-être pas la même expérience ni les mêmes réseaux, mais dont le seul but est d'œuvrer à Sénac, pour Sénac, en symbiose avec ses habitants. Je souhaite longue vie à notre collectif citoyen, qui continuera d'exister quelle que soit l'issue de cette campagne, et je souhaite bien sûr la victoire à cette belle et valeureuse équipe. Merci Marie-Claire. Donc je vais passer la parole à Philippe, qui est aujourd'hui l'élu de la municipalité. Oui, c'est intéressant de donner mon point de vue, parce que j'ai vu un petit peu l'évolution, et puis vous allez voir comment j'ai progressé dans ma réflexion. Donc moi je suis monsieur Philippe Cormat, donc je suis élu à 2014. Je suis sur la commune depuis 1998, j'ai participé à beaucoup d'associations, donc je connais bien le milieu associatif, les besoins. Et quand je me suis engagé en 2014, moi j'aime bien l'action, donc c'était surtout pour les projets. Donc moi j'avais envie de défendre une nouvelle salle, qui est une nouvelle salle, développer la plaine des sports, développer le bois des sponsors, c'était un peu mes objectifs. Voilà, on est arrivé, donc je suis assez content de ce qui a été fait. Je suis rentré en cours de mandat, je suis conseiller auprès des associations. Donc mon objectif, conseiller municipal, c'est être un facilitateur. Donc vraiment aider les associations à ce que ça roule. Voilà, quand elles ont un problème, elles viennent nous voir, on essaie de trouver des salles, on essaie de d'arranger. Et puis après, quand elles font leur demande de subvention, c'est à nous aller défendre un petit peu leur subvention au niveau quand on vote le budget. Je suis assez content parce qu'on a pu faire revenir des associations aussi grâce à la nouvelle salle, comme le Tonécan. Ils attendaient à Camblane depuis un petit moment, donc c'est quelque chose qui est assez bien. Le théâtre aussi qui est revenu, donc ça c'est plutôt positif. On est toujours en place, parce que j'entends l'idée de plus pouvoir, comme quoi nous on avait démissionné autant, on est toujours là, il y a des assos qui s'appellent. Là, ce qui est bien pour les assos en ce moment, c'est que ça va plus vite. C'est-à-dire que là où on était une semaine pour trouver une solution, là en ce moment, comme par hasard, bon, en deux jours, c'est fait. Hein, donc ça c'est plutôt pas mal, j'ai un peu moins de boulot du coup. Voilà, je suis heureux moi de ce qu'on a fait hein, dans le mandat, je suis assez content de ce qui a été fait. Après, voilà, parce que là où je trouve la limite, c'est
la façon de gouverner à l'intérieur de la municipalité. Donc, pour moi, le déclic, ça a été les ateliers participatifs. Il y a eu un atelier participatif qu'on a mis en place sur essayer de voir comment on peut aménager le centre de Sénac. Et là, franchement, j'y allais pour qu'on ait une halle. Je voulais une halle sur la place, et puis voilà. Et puis là, grâce aux gens qui étaient, notamment Julien, j'ai pu découvrir que ce qu'on faisait, en fait, c'était pas bien, c'est ce qu'on voit dans les autres communes, c'est-à-dire qu'il y a un mandat, vous avez un mandat qui arrive, bah, ils ont envie d'une salle, ils mettent une salle. Puis le mandat d'après, ils ont envie d'une autre salle ailleurs, et rien n'est cohérent, en fait. On voit des communes où voilà, il y a des petits bouts par-ci, par-là. Et là, j'ai appris à réfléchir à long terme, à prendre du recul. Alors, bien sûr, le gros regret, c'est qu'on n'ait pas pu mener à bien ce travail d'atelier. Mais le travail est là. Il y a toutes les bases pour le futur mandat, que ça puisse se mettre en pratique. Et donc, ça a été une richesse énorme. Et moi, j'espère que vous participerez à des ateliers pour des thèmes différents, mais allez-y, on s'enrichit énormément, on apprend beaucoup de choses, pas pécuniairement, hein, ça c'est sûr, en temps non plus, mais c'est vraiment très bien. Alors, à un moment donné, si on a essayé aussi un atelier participatif, entre guillemets, au niveau des conseillers, voilà, on avait un souci sur notamment la devanture de la nouvelle salle, et donc on est 10 élus de la majorité actuelle, sur, je crois que c'est 14, hein, 15, à cette réunion, puis à dire que voilà, il y a des choses qui ne vont pas et tout ça. Donc on trouvait ça intéressant. Alors on a pu modifier le projet, mais du coup, comme on n'était pas les 15, on n'avait pas remis toutes les infos, et malheureusement, dans ce nouveau projet, on a le calcaire qui est devant la salle, c'est un peu dommage parce qu'on n'a pas eu l'info comme quoi on avait le budget. Donc on nous avait dit on n'avait pas le budget, donc du coup, on est resté là. Avec ce calcaire, bon, ça sera, je pense, assez vite. Ensuite, voilà, c'est travailler en équipe, c'est quelque chose que, voilà, moi, dans mon métier, je suis enseignant au collège, j'essaie de travailler toujours en équipe avec les élèves, je trouve que c'est vraiment enrichissant, et vraiment, pour moi, ça m'a énormément plu. Et voilà, donc c'est ce que j'ai retrouvé dans le collectif. Dans le collectif, un travail vraiment avec des gens passionnés, et puis des gens où on ose, c'est-à-dire que je sais qu'il y a des gens qui disent « moi, je ne connais pas grand-chose » et tout ça, ça ne fait rien. Moi, dans ma classe, c'est marqué « la classe est un lieu où l'on a le droit, où on peut se tromper, on a le droit de se tromper, où il faut se tromper. » Ben, on y va, on est en réunion, on dit des choses, et puis on apprend des choses, quelqu'un qui s'y connaît nous explique, etc. Mais c'est vraiment cette démarche qui est très enrichissante. L'ancien modèle pour moi, j'ai regardé nos petits prospectus de 2014. Alors, attention, je fais partie de la liste actuelle, d'accord ? Donc je m'englobe là-dedans. Mais quand on regarde notre prospectus, vous avez Madame le maire, notre projet, donc ça c'était en 2014. Et donc il y a tout notre projet. Et puis, la petite équipe qui arrive à la fin, avec les 10 photos, voilà. Et en fait, c'est ça que je veux plus. Là, moi, j'assume. On l'a pas vu, on était naïfs, on a monté quelque chose, c'était les premières fois pour beaucoup, voilà. Mais, par exemple, si nous, on veut pas ça, quand vous allez sur notre site, vous voyez l'équipe. Là, quand vous voyez l'autre site, vous voyez encore Madame Bessie en premier. Voilà, c'est quelque chose, voilà, on veut se démarquer là-dessus, on veut vraiment que ce soit un travail d'équipe et justement pas que l'équipe municipale, c'est-à-dire qu'à côté il y a aussi des habitants qui apportent leur contribution. Aussi la CDC, alors ça, la CDC c'est quelque chose, on m'a dit, mais pour mandat, mais tu vas à la CDC, t'as cette commission. Je vais à la commission, j'ai l'impression, quand je suis rentré, j'avais l'impression d'être à Bruxelles. Vous avez 30 ans comme ça. Des micros comme ça, alors vous vous installez, et puis vous parlez d'une commission. Donc moi je suis la commission développement économique. Bon, ok. Je suis le dernier arrivé, forcément je prends une autre place qui a remplacé quelqu'un, donc je suis arrivé. Et là je me suis aperçu que les commissions elles ont été partagées par les maires.
Moi, c'était le maire de l'Angora qui tenait cette commission. Je m'installe et qu'est-ce qu'on a fait pendant les 2 ans et demi là? Eh bien, on a juste développé les cris de l'Angora. Et voilà, vous voyez, il y a une commission, c'est écologie. C'est notre maire qui l'a, celle-là. Elle a décidé de ne pas faire de commission. Donc il y a eu 0 commission sur l'écologie à la CBC. Et ça, pour moi, c'est pas normal. Et donc on voudrait aussi développer ce mode de travail hein, en équipe aussi au niveau de la CDC. Alors par exemple, je sais qu'il y a une à l'Angora, il y a une liste qui veut faire aussi du participatif aussi comme nous. Et voilà, on va essayer de s'unir aussi là-dessus pour peser sur la CDC, que ce ne soit pas les maires qui prennent on travaille en équipe. Ou alors s'il y a un maire, bien, il rapporte des choses et on prend des décisions à plusieurs, et y compris avec des sénaqués qui seraient intéressés par ça. Pour conclure, alors je vais le lire, ça sera plus simple. Hein. Ce qui me plaît aussi, c'est l'idée qu'à tout moment, pendant le mandat, en fonction de ses disponibilités, chaque habitant, chaque association pourra s'investir, proposer, dire ses ressentis, faire des choix, et ce, pour le meilleur de Sénac. Donc là, quelqu'un peut-être qui a été pris là, il ne peut pas, ceux qui ont des petits-enfants ou autres, voilà, c'est un peu compliqué, mais à tout moment dans le mandat, ils pourront venir. Et je vais conclure que si vous votez pour le collectif citoyen Sénac, vous ne votez pas que pour une liste, mais donc pour vous. Voilà. Merci Philippe, c'est vrai que cet esprit d'équipe-là, il est important pour la ressortie, c'est très porteur, pour tout le monde, on s'enrichit. Et je le redis, c'est pas juste parler entre nous des heures et des heures, c'est aussi parler pour avancer, construire et mettre en œuvre. Donc maintenant, si je reprends mon fil conducteur, dans ce que vous avez dit Philippe, dans ce que vous avez vu, donc on a besoin de laisser s'exprimer les gens. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que la première qualité, c'est d'être sénaqué et d'avoir envie pour son village de certaines choses. C'est la première valeur qu'on porte tous. Tous. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et à l'intérieur, chaque fois qu'on rencontre quelqu'un qui est juste sénaqué à la base, eh bien, il a un parcours de vie, il a une profession. Et donc émergent des compétences et des idées qui sont assez intéressantes et qui enrichissent aussi. Et laisser s'exprimer, que je viens de Sophie, je te dis, les compétences au-delà des gens qui sont élus, c'est hyper important et ça apporte aussi aux élus et à tout le monde. Donc, dans les compétences qu'il y a et qu'on a découvertes, que moi je découvre tous les jours, on a la chance aussi, et c'est important, d'avoir, ce que vous avez dit Philippe, 9 élus de la majorité d'aujourd'hui qui sont avec nous, qui nous ont rejoints. Et c'est vrai que qu'il y ait autant d'élus d'aujourd'hui qui nous aient rejoints, ça interroge, ça vous interroge. Moi ça ne m'interroge plus, j'ai compris, mais. On va aussi l'exprimer, parce que je crois que vous avez besoin de l'entendre. Et je vais laisser Jean-Marie, qui est élu à la mairie aujourd'hui, nous exprimer ce point de vue-là, qui est, je crois, le ressenti de l'ensemble des élus qui sont dans les listes.